Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo haul qui est en partenariat avec la marque Lovely Wool Soul. Lovely Soul Wool. Du coup, ils m'ont envoyé des articles et on va les tester ensemble en fait. Franchement, il y a des bons petits articles là-bas, vraiment. Genre, vous voyez les articles un peu qu'on voit sur Insta et tout, ça. Il y a grave ça là-bas. Franchement, il y a grave des bons trucs, il y a grave des pépites. Ils m'ont envoyé des articles, donc je vais les tester avec vous. Je vais dire tout ce que je pense de ces articles-là. Je vais être super transparent parce que, dans tous les cas, je vois pas pourquoi je vais mentir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage, commente. Suis-moi sur mes réseaux sociaux. Je mettrai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et on va commencer avec la suite de la vidéo. Voilà le colis. Franchement, c'est un bon petit gros colis là. Ok. Donc, j'ai reçu ça hier. J'ai un peu ouvert parce que j'ai un peu regardé quand même. La livraison, ça allait. Ça a pris peut-être deux semaines et quelques. Franchement, je vous cache pas, c'était un peu long. Je vois que ça vient de chez Colissimo. Donc, ça me choque même pas. Hey, j'ai un problème avec Colissimo. Le colis, il arrive, il est déjà ouvert. Bon, là, c'est moi, j'ai ouvert comme ça. Le colis, il est arrivé ouvert comme ça. Genre on voyait quelques articles et tout, n'importe quoi. Colissimo et moi ça fait pas. Du coup on va commencer. Du coup, premier article, c'est une veste. Quand je l'ai vue sur le site, j'ai grave kiffé. Franchement, je vais pas faire à la meuf, ça ressemble à la photo. Juste trouve que c'est un peu juste. J'ai pris en taille S. Vous êtes grande de taille, prenez une taille au-dessus. Moi j'ai pris en taille S, mais c'est pas que ça saute, mais c'est à la limite, tu vois. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas très très lourd, c'est pas kilo de ouf, mais un peu, tu vois. Et je mets un petit 7 sur 10. La veste est chic. Et oui. On va passer au deuxième article. Deuxième article, c'est un haut comme ça. Vous voyez les hauts à zip là? J'aime trop. Moi, ça fait un peu les hauts type Instagram et tout. Tu peux ouvrir là. Enfin, en gros, c'est le oasis quoi. Tout va un peu en bas. J'aime vraiment trop, les gars. C'est pas transparent de ouf. Enfin, moi, en tout cas, je le vois pas transparent. C'est pas léger. Franchement, c'est un peu kilo. Genre, c'est un peu. C'est épais. J'aime de ouf avec la petite fente ici sur le côté. Ah non, c'est chic. Même la coupe. Genre, j'aime bien. Non, franchement, j'ai kiffé. Franchement, c'est chic. C'est beau aussi. J'ai pris en taille M, celui-là je l'ai pris en taille M, je suis trop trop contente, genre je suis vraiment pas déçue. Pour ce haut-là, je mets un 10. Passons au troisième article. Troisième article, c'est une chemise en cuir. Ça sent un peu chimique. Je comprends pas les boutons là. Ah ok, il y a une ceinture, donc je mets la ceinture. Là j'ai tout fermé, hein. Je suis une forceuse. Calculez pas trop parce qu'en fait je suis en jogging, donc ça fait un peu bizarre là. Que dire? Bah, c'est une chemise en cuir. Gens qui portent des cuirs. La qualité elle est bien. C'est pas trop cheap, tu vois, parce que je veux dire c'est pas trop cheap. Ce qui dérange peut-être un peu c'est l'odeur. Mais après il y a l'article qui vient d'arriver, donc voilà. Après moi je pensais que ça allait être un peu plus long, en espérant peut-être la porter comme robe. Mais comme robe c'est un peu trop court en fait. La chemise je l'ai prise en S. Je pense qu'en M j'aurais pu la prendre aussi, mais elle ferait un peu plus oversize. Ça va, j'aime beaucoup. On va passer au prochain article. Et cet article là, j'appréhendais de ouf. Je suis trop surprise. Genre, et le jean il est super élastique. J'ai pris en taille S. J'ai pris en taille S sachant que moi je fais du 36. Mais un 38 peut rentrer dedans. C'est super joli. En plus c'est la fente. Je sais pas si je l'ai montré. Bon, la fente on dirait elle est grave basse, tu vois. Mais en fait moi je kiffe. Parce que j'aime bien mettre mes pantalons flair avec des chaussures montantes et tout. Ça veut dire que quand le fait qu'elle soit montante la paire et que là ce soit long, comme ça la paire et le jean tombent à la même hauteur, tu vois. Même si c'est vraiment pas le genre de jean que je pourrais mettre de base. Mais là je mets un 8 sur 10. Donc là on va passer au dernier article. Donc c'est une robe. Bon, je l'ai déjà ouverte en fait parce qu'en fait elle se présente comme ça. Et fallait mettre les lacets en fait. Donc les lacets ils allaient pas se mettre tout seul. Dernier article. Donc c'est une robe. Je suis pas une meuf qui porte des robes de base, mais bon.
J'ai voulu tout tester. J'ai pris des vestes, j'ai pris des jeans, j'ai pris des hauts, j'ai pris une robe. Je trouve que ça fait un semblant de court. J'aime beaucoup. Je trouve juste que le fil, il est trop long pour rien. Après, le hic, c'est que elle est bleue alors que j'ai commandé du noir. Je pensais avoir une robe noire, mais elle est bleue. J'ai pas compris, mais vas-y, c'est pas grave. Après ça, avec une guerre, je pense que ça ferait vraiment... Pour la robe, je mets un petit 8 sur 10. Même si la couleur, c'est vraiment pas ce que je voulais. Ça me dérange vraiment. Du coup, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo-là. Donc, il y a un code promo juste en bas. Un code promo de 10% sur tout le site. Je vous laisse tout en bas en info. Ils vendent des habits, ils vendent de la déco, des accessoires. Ils vendent de tout, vraiment. Il y a de quoi faire plaisir à quelqu'un, faire le bonheur de quelqu'un. Pour ce Noël là et même pour vous-même. Si t'as aimé la vidéo, je te laisse liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne si t'es pas encore abonné et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Sur ces mots les gars, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.